la des channels là. Moi, tout, nous connaissons que la question de démocratie, là, moi, pas collé avec ça. Parce que trop paroles faites au nom de la démocratie. Et je toujours parler de la démocratie des Blancs. La démocratie des Blancs, en un mot, c'est de la démagogie. Qui n'a pas gagné pour jouer avec la question d'élection. Nous-mêmes, avant que nous te parions en Haïti comme esclaves, nous te gagnons les caciques. C'est Redana Kaona, Cassie Henry, c'est Mounsa Onekone. C'est les gens de gouvernement ça nous ont besoin. On monde qui là, qui poursuivent les intérêts du peuple. Mais le nom vient avec la démocratie des Blancs, nous sommes toujours contre lui. Et je dis à le co-désir fait même analyse. Il voit que la démocratie des Blancs, c'est de la démagogie. Telle est ce qui va passer au Venezuela. Qui j'en veux d'avoir, on ne va pas passer une élection du tout. Et puis, deux, trois grandes puissances campées de elle, ils disent, mon cher, je dois président. Et puis, tout le monde a appuyé, mon cher président, contre la démocratie. Ça, c'est la démocratie des Blancs. Alors, ils veulent faire une élection pour mettre des autres dans le pays. Et je ne vais pas avoir une élection du tout. Je ne vais pas avoir une élection, même finir avec l'autre monde. Je ne vais pas avoir une démocratie sur moi. Eh bien, sans plus attendre, nous pourrons aller tendre les locaux. Mais avant ça, songez pour nous abonner sur ce channel-là. Parce que ma fait nous comprendre pile bagaille. Petit à petit, ma fait nous comprendre pile bagaille qui a passé dans le monde. On nous tendre les locaux. Ah oui, c'est. Comment bien, madame, monsieur? C'est pas Anne qui t'est posé 10 janvier, hein, non? Okay. Côté que l'été bail, vote, non, oui, ah oui, 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 oui. Hein? L'illégitimé ou bagaille qui est illégal. Vous n'y allez pas. L'illégitimé ou bagaille qui est illégal. Correct. Pas ma qui n'y a pas un contexte que la vie aujourd'hui là. Sur la voie de l'Amérique, sur la situation d'Haïti. Thèse contre que l'Amérique a tout. Que en Haïti, il faut un président 25 ans et que nous sommes en démocratie. Thèse a tombé aujourd'hui. Nous, qu'est-ce que ça? Question américaine, nous, qu'en Haïti, que faut que démocratie, faut que nous étions la constitution et que c'est le bon démocratique pour nous à l'élection. C'est une élection pour le président Haïti. Thèse a tombé, sorti à l'arabe dans le pays d'Haïti. Et l'acte d'Haïti, l'action d'Haïti, ok, le cap démarche ça, il confirme que je dis là, n'importe qui est capable de demander des parts au président Jovenel Moïse. Non, ça va être ça, quoi. Ok? Que ce que vous là, l'obéissance, que vous avez dit que, ok, vous avez fait 5 ans, et que vous avez arrêté au pouvoir, après 5 ans, c'est une élection pour aller, ça tombe aujourd'hui. Ok? Quand vous avez dit que vous avez dit, je suis pas d'accord avec le président Jovenel Moïse, ou qu'on a demandé de parler. Nous clés sur ça, nous-mêmes, dans notre débat. Là, c'est ce qu'on a fait, c'est l'émission qu'on a fait, c'est communication qu'on a fait. Et c'est sur base communication, ça même, justement, d'analyser, nous comprendre ça en matière. Qu'est-ce que les Américains ont demandé dans le pays et que faut que cette démocratie pour respecter. Il faut que c'est une élection de mon aller pour qu'on ait un pouvoir. Même si le président a créé des chibrettes, qu'est-ce qui a tombé aujourd'hui là. Et maintenant, par ce acte d'Haïti de reconnaître la présidence de M. Ron Guaido, ok, il confirme que je n'allais pas dire qu'on a demandé le départ président Jovenel Moïse dans le pays. Alors, faut nous expliquer. Nous, qu'est-ce que ça veut dire? Faut nous expliquer quoi, président. C'est son député. Le président Chum. Il n'y a pas d'élection dans le monde, mais il n'y a pas d'élection là. C'est quand un député dans l'opposition en bas, nous, là, qui député qui puisse qui toujours. Si on peut bosser. On peut pas bosser. On peut pas bosser. On peut pas bosser. On peut pas bosser. Si Albert Grand. C'est quand si Albert Grand nous, on compte un peu en face du président Jovenel là. Et puis, États-Unis. Amérique n'est pas d'accord avec le président Jovenel. Et puis, si nous reconnaissons. Et puis, on parle avec Sylvain Bertrand. C'est comme ça, président. Mais ça m'a la démocratie des Blancs. Pas qui était blanc, au fait tintin. C'est haïtien, nous. Nous, qu'on nous éclairer. Nous, intelligents. Nous, qu'on comprendre que la démocratie des Blancs pas pour Haïti. Toujours à dire, moi-même. Je dis à lui confirmer. Ça m'a conduit. On continue dans les locaux. On a fait des magos aussi. Nous-mêmes, dans le débat, on a analysé
Et après, je dis encore, donc, est-ce que Amé Gabdou, que je dis à la, et que fuck président 25 ans, parce que nous, dans la démocratie, tel ça tombé, je dis à la, dans le pays d'Haïti. Alors, Américain besoin et Vénézuélien, citoyen Vénézuélien, pour gouverner contre Maduro. Oui. Parce que rentrer à un peu difficile pour eux. Le bien fait bataille là sur place. Non, mais pas moi, c'est moi, c'est moi là qui va facile. Alors, vous voyez, nous, Mounio, monsieur Sénat là, oui, quand ils sont en place, il dit le président, il prend deux appôles, il prend, il dit le président. Mais le président Maduro est toujours là. Très bien. Justement, alors, président Maduro est toujours là. Donc, ça veut dire que Venezuela, je veux dire là, et m'a regardé, ils ont imagé, hein. Il fait plus de portes, il fait porte à Syrie, il fait porte d'Israël, et puis tout le temps, il fait porte Liban, et puis il fait porte Libye. Tout porte ça, il y a 100 coulis. Et puis là, ouais, les Américains qui parlent dans la porte Venezuela, qui parlent, fait 100 coulis. Qu'est-ce qui a passé, je veux dire, là, madame, monsieur? C'est une guerre civile qui a donc amorcé, madame, monsieur, pour le Venezuela. C'est une guerre civile qui a donc amorcé. Parce que, écoutez, maintenant, il y a un groupe de pays qui reconnaît la présidence de Juan Guaido, et qui est un groupe de pays qui était solidaire au président Nicolas Maduro, lui-même qui est dans l'élection, qui gagne l'élection. Vous pouvez peut-être contester de façon. Mauvais ou pas, mauvais ou pas. Élection, mais en fait, il est dans l'élection. Ok? Donc ça passe là. La Chine là aussi, il y a intérêt, parce qu'on veut venir sur la madame, monsieur. Ok? La Chine là aussi, il y a intérêt, on a riche sur tout. Donc qu'est-ce qui va passer là? Et l'armée dans tout ça? De qui est-ce l'armée à prendre l'autre? Déjà, on va venir éclatement de la mer. Moi, je veux éclatement de la mer. Non, c'est depuis Américain Gonkin Bay, vous faites là. Chercher, infiltrer tout côté le capacité pour le nouveau président là. Ok. Et puis, pour éclatement de la mer. Oui, madame. Deuxième, alors, on n'est pas encore là. Nous pouvons arriver dans la phase pour gagner une guerre civile au Venezuela. Vraiment, Louko a raison, en partie. Nous sommes capables d'arriver à une guerre civile au Venezuela, oui. Mais il faut nous connaître que les Américains sont extrêmement intelligents. Je vais me répéter pour nous. Les Américains sont extrêmement intelligents. Ce ne sont pas des amateurs. L'été paraît depuis la doctrine de Monroe, l'idée de l'Amérique aux Américains. Mais quand ça l'a parlé, et il mettait toute formule à la terre, il mettait tout principe à terre. Il a analysé toute situation qui est capable de passer, l'analyse il mettait à terre, il connaît qui j'ai pour l'attaquer cette situation. En partant, ni la Chine, ni la Russie, pas gagné force pour y gommer avec les Américains. Et ils ont tout de connaître. Mais ça fait donc que pas de guerre civile. Les Américains sont trop puissants. À l'instant, je vous parle pour ni la Chine ni la Russie. Pas de yon qui a fait face en rapport de force avec les Américains. La Chine connaît elle, la Russie connaît elle, et les Américains connaissent tout. So, question de guerre civile là. Pourquoi il là? Et Mbakwe n'a privé là au Venezuela. Mais ce qui est possible, c'est que Maduro est capable de mourir. Pas de monde qui ne parle pas de ça. Nous arrêtons quand nous avons Maduro aller. Oui. Il y a plusieurs gens pour manger. Et vous avez mis le tout. Américain, c'est mon grand entrée. Même le fait avec Noye Gapadama. L'autre en dans le premier dos. L'autre avec ma amie là, tout le prison. Pourquoi nous ne sommes pas avec ça? Nous ne sommes pas avec ça, mes amis. Et pour nous, tant de débats, et bien. Alors, j'en grandis là, quittez Congo danser. Mais nous tous concluons avec aujourd'hui que la démocratie des Blancs, pas pour Haïti. Et la démocratie elle-même, ça n'a pas existé. Alors, j'ai envie de dire là, parce que la démocratie veut dire gouvernement par un gang, c'est ça veut dire même d'adouan créole. C'est pas la valeur pas gouvernement par le peuple, pour le peuple. Non. Démocratie veut dire que c'est gouvernement de yon gang,
qui a dirigé le peuple. C'est ça que nous avons déposé pour nous matin. Hein? Quittez le Congo danser. Continuez à abonner sur la chaîne. Suivez le moins important vidéo pour nous. Nous comprenons que le débat est passé dans le monde. Quittez-nous, mes amis. Abonnez-vous sur la chaîne. Pas oublier.